Hello trader, aujourd'hui mercredi 22 février et nous sommes à New York dans le cadre du séminaire de trading à New York pour les traders alertes, pour ceux effectivement qui arrivent demain pour pouvoir passer des journées de trading avec moi en live et on va fonctionner effectivement sur les marchés américains bien sûr et d'autres marchés. On va parler des opportunités du jour, sur quoi trader aujourd'hui, on va parler des gains de la veille et de l'avant-veille puisque lundi et mardi il n'y a pas eu de Hello Trader, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes à New York, le temps de voyager. Je répondrai aussi aux questions des traders aussi directement si vous m'avez expédié des emails et j'en ai à profusion. Et on finira par un coucou à tous les nouveaux traders alertes et à tous les gens qui sont en train de s'équiper en masse. Le succès est fulgurant de la vidéo « Pratiquer la bourse avec succès ». On commence, je vous l'ai dit, mercredi 22 février avec des résultats de lundi et mardi plutôt calmes. Pourquoi calmes? Ben, lundi, c'était le President Day ici aux États-Unis. La locomotive ne marchait pas, pas de marché, très peu de volatilité. Donc, on a très bien fonctionné pendant, j'allais dire, l'heure de midi. Puis après, tout s'est arrêté. On a laissé tomber puisque le marché ne voulait plus. J'étais avec plusieurs traders à vue de l'Opéra, vous savez, dans la salle de marché de l'École internationale de trading. Cette École internationale de trading qui a vu son site internet remodelé. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir sur boursierassistance.com ou boursierassistance.fr. En tout cas, tout a été remodelé et le site est beaucoup plus clair, limpide. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Écrivez-nous un mail sur info@boursierassistance.com ou .fr. On continue pour les gains, donc cette fois-ci, mardi, hier, 24 points sur le WTI. Merci le pétrole, merci le crude oil. Une position qui a été ouverte déjà depuis maintenant 3-4 jours et on attendait que le pétrole prenne son essor et il est monté très fort, ce qui a permis de dégager 24 points, à peu près 600 euros, ce qui n'est pas à dédaigner puisque 600 euros en une journée, c'est plutôt pas mal. Voilà pour les gains de la veille et de l'avant-veille. Vous parlez des opportunités du jour. Ici, à New York, comme les autres indices, on est plat. C'est relativement plat, c'est flat. Alors, quoi faire? Ben, on va essayer de se tourner plutôt vers des marchés comme le Forex, comme l'euro-dollar, comme l'USD-Yen, comme l'USD-CAD. Ce sont des paires qui risquent de bouger plutôt pas mal. Je vais regarder rapidement avec vous les opportunités grâce aux stratégies du jour, aux annonces économiques du jour. Je vais vous envoyer bien évidemment les alertes qui vont bien d'ici quelques instants, le temps d'analyser les marchés. En tout cas, il est ici au moment où je vous parle 11h et on va regarder tout ce qui va s'ouvrir à partir de 14h. Et quand on regarde à partir de 14h, on a effectivement la banque centrale, la réserve centrale américaine, donc à 14h, 14h30, les ventes au détail qui vont toucher le CAD à 14h30 Paris, c'est un petit peu tard, donc je repousse encore un peu, 16h le dollar et 20h le dollar. Donc voilà, c'est là où c'est la donnée la plus importante, 20h puisqu'on a la minute de la Fed, le compte-rendu de la réunion du FOMC. En tout cas, beaucoup d'opportunités plutôt vers 20h heure française. Ici, il sera plutôt 14h, donc on est bien dans le timing qu'il faut. Regardez bien sûr le dos, même si vous débutez, attention, n'y touchez pas. Préférez regarder plutôt les devises, l'USD-CAD et l'euro-dollar, et vous trouverez votre bonheur. Regardez aussi les valeurs asiatiques qui bougent plutôt pas mal. Vous pouvez les utiliser le soir à partir de 20h et elles tirent énormément le marché. Souvenez-vous, le câble aussi, beaucoup d'informations sur le câble. En tout cas, apprenez à bien marquer vos graphiques, ne rentrez pas sur les valeurs de manière à l'arrache, si je puis dire. Montez bien start, stop, target, calculez bien l'opportunité, le risque reward, le money management, la taille de position et en fonction bien sûr de votre capital et de l'effet de levier. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la journée d'aujourd'hui. Je croise les doigts que la journée de demain soit beaucoup plus riche en termes d'événements, de façon à ce qu'on puisse trader beaucoup plus. En tout cas, encore une fois, je vous envoie mes alertes d'ici une demi-heure grand maximum. Je réponds à beaucoup de personnes. Je réponds par exemple à David qui me dit « Moi, je suis un ancien de Forex Alert. » Forex Alert, effectivement, ça date de 2012. Tous les gens qui étaient Forex Future Stocks Alert, prenez contact avec nous et on fera migrer votre compte sans aucun frais vers traderalert.com, bien au contraire. Et comme j'écrivais à David, ça me fait très plaisir de le revoir, voilà, tout simplement.
quelqu'un, Fernandez, qui a acheté l'e-learning, donc de pratiquer la bourse avec succès. Cette vidéo qui est fabuleuse, que je termine, je suis en train de la finir. Je me donne énormément pour une vidéo de qualité qui va aider énormément de gens à débuter en bourse, en trading, quel que soit le marché que vous voulez suivre. Une priorité peut-être au marché action, parce que quand on débute, le marché action est plutôt sympa. Et marché action, bien sûr, Paris et États-Unis. Donc vraiment, équipez-vous de cette vidéo disponible le 1er mars, mais en pré-vente déjà sur traderavecanes.com dans la rubrique shopping. Commandez-la maintenant. Vous faites l'économie de 50 euros et 50 euros, c'est pas rien. Voilà pour ce qui est effectivement de Fernandez qui tous les jours nous envoie un mail en nous disant je veux, je veux, je veux. Elle arrive. Vous pouvez payer aussi par virement ou par carte bancaire, puisque je sais que maintenant tout est PayPal, on passe par PayPal pour quasiment tout. Moi, je ne suis pas un féru de PayPal, j'aime aussi pouvoir payer par virement et c'est possible dans votre, ce qu'on appelle en fait le carte, le check-out. Quand vous êtes au moment de régler, vous pouvez choisir par virement bancaire. Si vous voulez payer par carte bancaire, vous pouvez appeler le 09 80 08 20 10. 09 80 08 20 10 ou depuis l'étranger plus 33 donc 00 33 9 80 08 20 10. Voilà les autres questions. J'en ai un de Slimane qui nous écrit: merci de vouloir me renseigner de la façon avec laquelle je peux suivre vos cours. Slimane, aujourd'hui nous sommes aussi bien via des formations, ce qu'on appelle présentielles, dans les centres de formation professionnelle continue comme à Paris et Barcelone. On est aussi maintenant à distance via traderalert.com ou en vidéo avec la vidéo de pratiquer la bourse avec succès. Voilà Slimane, si vous avez besoin de plus d'infos, 09 80 08 20 10. Une autre question de Marc. Marc qui nous envoie un chat qui est aux Pays-Bas et qui nous dit « Est-ce que les alertes invalidées me sont débitées, oui ou non ?» Marc, non. Les seules alertes qui vous sont débitées sont des alertes gagnantes. Tout ce qui est invalidé ou perdante, nous avons l'honnêteté et la transparence de ne pas vous débiter ces alertes, bien évidemment. Une alerte invalidée, c'est une alerte qui n'a jamais été startée. Mais l'opportunité étant moindre, plus le temps passe et moins il y a d'opportunités, sur cette alerte, nous préférons la couper définitivement, bien évidemment sans perte puisqu'elle n'a pas été startée. Ça n'est pas au même titre qu'une alerte qui aurait été engagée et qui, là, donne un résultat gagnant ou perdant. Si le résultat est gagnant, elle vous est décomptée. Si elle est perdante, elle ne vous est pas décomptée. Une autre question, j'ai la lumière en plein dans le visage, je peux vous dire que pour lire, ce n'est pas forcément évident. Une autre question qui dit, j'ai 100 000 euros, Luc, je veux que tu trades à ma place. Alors, les 100 000 euros, c'est bien, c'est un très bon capital de départ. Il est vrai que nous sommes sur le point de créer un fonds à l'étranger, un fonds d'investissement avec un ticket d'entrée relativement élevé compte tenu des résultats que nous pouvons obtenir. Voilà, j'en dis pas plus, vous serez informé en temps réel. En tout cas, si vous avez un compte qui dépasse les 50 000 euros, vous pouvez souscrire à des parts de ce fonds, de ce hedge fund que nous sommes en train de mettre en place et ça risque effectivement de faire du bruit compte tenu des résultats que nous avons et que nous publions régulièrement. C'est à venir. J'écrivais à cette personne justement, attendez, avant de vouloir effectivement de confier votre argent, il faut aussi que vous sachiez de quoi on parle. Donc préférez aussi au départ, pourquoi pas, de regarder les vidéos comme celle de pratiquer la bourse avec succès, ne serait-ce que pour savoir ce que c'est que la bourse et le trading et comment on pratique, et pourquoi pas vous abonner un petit peu au Trader Alert. Je continue avec une question. Bonjour Luc, est-ce qu'il y a des vidéos de vous à New York? En voilà une, tout simplement. Alors, New York, aujourd'hui, ça se passe ici. Je suis dans l'hôtel dans lequel se trouveront les stagiaires du séminaire Pratiquer la bourse, donc bien évidemment, et le trading à New York, en plein Times Square. Ils n'ont qu'à traverser la rue et ils sont en plein Times Square, donc c'est assez fabuleux. Si vous faites partie du groupe qui partait demain depuis Roissy, vous allez voir, vous allez être dans un hôtel magnifique avec des gens accueillants. Ils parlent français, c'est le groupe Accor, c'est Novotel, donc ils parlent français, il n'y a vraiment aucun problème. Vous serez très, 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 très bien servi. Un autre qui s'appelle, j'ai pas son prénom, Bélade, je crois, de mémoire. Bonjour, je veux savoir s'il y a un master trading. Oui, les master trading, on en a deux et on en a effectivement un très gros qui s'appelle le Trader Ultimate Programme, qui est une formation professionnelle continue à vie, puisque vous pouvez venir autant de fois que vous voulez dans les salles de marché. Il existe un comparateur, Bélade, il existe un comparateur, vous allez sur écoledetrading.com, école internationale de trading.com, en un seul mot sans séparateur
ou boursierassistance.com, boursierassistance.fr, et vous allez chercher dans la rubrique formation comparateur. Vous les avez tous là. Si vous n'arrivez pas à sélectionner votre formation, vous appelez le 09 80 08 20 10, 09 80 08 20 10, et on vous répondra. Un coucou aux nouveaux abonnés, bien évidemment, Trader Alert de la veille et du jour. François, il y en a beaucoup, hein. il y en a énormément, je vous donnerai au fur et à mesure, parce que ça défile au fur et à mesure. Quelqu'un qui nous dit « Je m'intéresse au trading depuis un moment, je suis tombé sur vos vidéos, j'y connais rien, je suis inscrit à vos alertes et j'aimerais comprendre le fonctionnement. » Alors, c'est simple, si vous venez de vous inscrire aux alertes, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous allez dans la rubrique « Entraînement ». Comment ça marche ? Donc, dans le menu « Comment ça marche ?» et ensuite, vous avez « Entraînement ». Jetez un coup d'œil, il y a tout, c'est pas compliqué, absolument tout. Ça me fait rebondir sur quelqu'un qui me parle d'une alerte qui a été expédiée sur le DAX de mémoire. Et lui a engagé l'alerte, 11 800, engagé l'alerte, alors qu'il ne fallait pas le faire. Il n'a pas respecté la méthode. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai vu vos vidéos après et j'aurais dû respecter votre méthode. Pour tous ceux qui n'ont pas respecté la méthode, vous vous êtes mis dedans alors qu'il n'y avait pas à rentrer. Voilà. Beaucoup me réclament la vidéo, pratiquer la bourse avec succès. Elle arrive le 1er mars, la vidéo. Vous êtes en pré-vente, vous avez un prix spécial de 99 € au lieu de 149 €. Je regarde, je sais qu'il y a des questions pertinentes derrière. Alors, bonjour, est-ce que je peux payer la formation Master Trader 32 heures en plusieurs fois ? Oui, appelez le 09 80 08 20 10, 09 80 08 20 10, et vous pourrez effectivement payer en plusieurs fois. Jérôme, nouveau, effectivement, Trader Alert qui vient de s'équiper de la vidéo « Pratiquer la bourse avec succès ». Quoi d'autre ? Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je cherche une formation au trading fixed income et equity dérivative. Vous pouvez effectivement avoir toutes ces infos-là, 09 80 08 20 10, 09 80 08 20 10. Quel logiciel nous écrit Gilles, utilise Luc Vaudan ? Regardez, tout ça c'est dans traderalert.com. J'en utilise 3, TradeStation, VisualChart et TradingView. Pour tous les abonnés Silver et Gold, vous avez l'explication de toutes ces vidéos par rapport au logiciel dans la rubrique entraînement. Regardez encore une fois, si vous ne trouvez pas, vous pouvez nous appeler. Quelqu'un qui s'inquiète, Arnaud, Luc, est-ce qu'il va y avoir des alertes cette semaine ? Oui, bien sûr, au moins une par jour depuis lundi. Et là, je vais vous en envoyer quelques-unes cet après-midi. Gilles, combien de fois pouvons-nous regarder la vidéo « Pratiquer la bourse avec succès » une fois qu'on l'aura à vie, définitivement ? Il n'y a pas de limite par rapport à ça. J'ai envie de devenir trader, pareil. Tout ça, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc, tous les gens qui me posent ce genre de questions, jetez un coup d'œil sur traderalert.com. écoleinternationaledetrading.com et vous aurez toutes ces réponses. Vous êtes au bon endroit en tout cas pour apprendre ce qu'est le day trading. Pareil, j'ai commandé la vidéo, je veux qu'elle arrive. Yidiz, qui recherche des informations pour mieux comprendre comment fonctionnent les brokers. Quand vous êtes abonné Trader Alert, vous avez l'explication des brokers. Vous avez aussi une formation qui s'appelle Trading le carnet d'ordre. Et dans cette formation qui s'appelle Trading le carnet d'ordre, j'explique le broker. Alors il me dit lequel choisir. J'aimerais vous répondre, c'est tous les mêmes. La seule chose, il faut être à l'aise avec l'interface. Si vous voulez trader avec les brokers avec lesquels on utilise, effectivement, revenez vers nous, posez-nous la question directement par email à info@traderalert.com et en fonction de votre capital, on vous expliquera quel type de broker choisir. Voilà, beaucoup, beaucoup, bonsoir, on vous aime, c'est beau, c'est joli, c'est gentil, tout va bien. Est-ce que vous pensez que le contenu de la formation pratiquée de la bourse avec succès soit solide et suffisante ? Oui, bien sûr, quand on veut commencer à investir. Loïc, coucou, qui vient effectivement de faire l'acquisition, de pratiquer la bourse avec succès, j'en ai d'autres. Je suis à la recherche d'informations pour devenir trader Forex. Attention, le Forex, vous pouvez le traiter via d'autres supports. Le Forex n'est pas suffisant. Il faut faire d'autres choses aussi. En tout cas, vous êtes au bon endroit. Yacine, qui nous passe un petit coucou du Mans, tout simplement. Alors, on continue. Il y en a un des comme ça. Et on finira par Gaëtan. Gaëtan qui est un étudiant et qui cherche effectivement à interviewer un trader. Gaëtan, bien sûr, je serai à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Beaucoup d'étudiants qui arrivent en terminale ou même en prépa ont besoin de faire des interviews sur des gens de la profession. Je suis à votre disposition, on le fera depuis en plus New York là, ça va être assez fabuleux. J'oublie sûrement des gens qui viennent de s'abonner à Trader Alert et qui viennent de commander la formation « Pratiquer la bourse avec succès ».
J'en suis désolé, je passerai au fur et à mesure, mais il y a beaucoup, beaucoup. Hein. Vous êtes très, très nombreux. J'ai 3 pages de gens, effectivement, à qui je dois dire coucou. Je fais un coucou global. En tout cas, sachez que je pense à vous. Je suis loin de vous, mais je vous ai promis de faire des vidéos. Les prochaines vidéos, on parlera des trading. Je vous montrerai des écrans graphiques. Aujourd'hui, rappelez-vous, vous devez penser Forex plutôt qu'indice. Travaillez bien tout ce qui est en contrepartie US. C'est là où ça va bouger. Je vous dis à tous, passez une bonne journée. En tout cas, pour moi, elle commence. Pour vous, elle se finit. Take care, tchuss, enjoy.